Salut à vous, jeune youtubeur! Si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Il s'agit d'un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment déjà et que j'ai prévu de le faire voir, à savoir Jurassic TV. Non, 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 ça ne sera pas une série consacrée aux dinosaures, mais s'il le faut, j'en mettrai. Donc il s'agit d'une émission télévisuel à la star de Netflix, c'est un peu le Netflix de la chaîne. Et donc vous allez voir, ce sera consacré que au court métrage. Voilà, je vais tout vous expliquer. Mais tout d'abord, je vais changer de costume. Oui, par moment, je suis un véritable caméléon. Je change de peau comme je change de chemise. Voilà. Donc, vous l'aurez compris au début de la vidéo, le projet que j'avais en tête et que je compte vous en parler, c'est un projet qui m'est venu d'un coup. Alors, ce n'est pas un... Alors, ce n'est pas une série, enfin une web série comme Porky Pig. Non, 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 non. En fait, c'est. Je vais vous expliquer. Ça. Alors, Jurassic TV, ça, donc, il n'a rien à voir avec Jurassic Park qui est en commun sur les films sur les dinosaures. Non, non, ce sera plutôt une série assez. Qui parle de court-métrage. Voilà, parce que, en fait, voyez-vous, avant de faire Porky Pig, j'avais prévu de faire des courts-métrages, mais étant donné que j'avais pas grand-chose comment dirais-je, à exposer, alors je me suis demandé, tiens, si je pouvais faire une émission consacrée aux courts-métrages. Et justement, j'avais envie d'en faire et d'en parler, surtout parce que j'avais envie de tenter ma chance sur les courts-métrages, et comme je suis un spécialiste des courts-métrages, et ben j'ai donc décidé d'en parler. Donc voilà, pour tous ceux qui se demandent c'est quoi Jurassic TV, ce sera une émission consacrée à des courts-métrages, enfin des petits films assez courts, assez sympas, avec du montage du montage et oui, du montage mix, un peu comme Porky Pig, mais un peu plus différemment. Voilà, donc pour tous ceux qui se demandent ce que c'est, et ben c'est justement une émission consacrée aux courts-métrages. Voilà, bon, par contre, je ne sais pas. Quand je mettrai ça en ligne, alors j'ai hésité à le faire pendant les vacances ou à la rentrée, je sais pas, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Bref, je vais voir. Une chose est sûre, ça sera diffusé à la première semaine du mois, contrairement au Cinéma Club qui diffusait à la fin de la fin, à la fin du mois. Et voilà, ça aussi. C'est bon à savoir. Voilà, donc pour tous ceux qui voudraient savoir ce que c'est, bah, comme je viens de vous le dire, Jurassic TV, alors c'est un peu, comme je viens de vous le dire, c'est un peu le Netflix de la chaîne. Voilà, c'est ça. Je voulais m'inspirer de Netflix avec pas des petites séries, mais enfin oui, il y a pas mal de séries assez bien foutues sur Netflix, mais ça n'a rien à voir. Voilà, ce sera que une émission consacrée au court-métrage. Hein. Mais bon, bah, ouais, oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Voilà. Donc voilà les gens. Donc voilà, ce sera tout donc pour aujourd'hui. Alors donc pour ce qui concerne Jurassic TV, je mettrai ne serait-ce un premier épisode aussi vite que possible. Voilà, comme ça, n'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse. Et bah, tant mieux. Bon, si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc c'est donc la fin donc de cette vidéo spéciale annonce de projet. Si tu vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.